Un jour, trois hommes aveugles sont allés là où il y avait un éléphant. Chacun d'eux s'en approcha et le toucha. Le premier le toucha et dit « L'éléphant est un mur immense. » Le deuxième toucha ses défenses et cria « Cet éléphant est comme une lance. » Et le troisième lui toucha sa grande oreille. « Cet éléphant est comme un grand éventail. » Chacun peut avoir partiellement raison tout en étant dans l'erreur. Si vous connaissez et considérez le tout, vous vous éloignez de l'erreur. Cela doit nous rappeler l'importance de s'entraîner ensemble pour avoir de meilleurs résultats. Cela étant dit, tu es prête à faire travailler les fessiers? Oui? On y va! Pour cet exercice, nous aurons besoin d'une petite serviette ou écharpe et d'une chaise. Debout, la main gauche appuyée sur la chaise, la serviette coincée derrière la jambe droite. L'exercice consiste à lever la jambe à la hauteur des hanches et la balancer vers l'arrière, sans redescendre la jambe et en concentrant la force dans les fessiers. 10 grands mouvements pour chaque jambe, puis 10 mouvements plus courts et le tout en 3 séries. On commence. 10 grands mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant les cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. 10 grands mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant les cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il nous reste encore 2 séries. Tu sentiras tout de suite le travail. De plus, prends note des aliments qui, selon certains spécialistes, t'aideront à élargir tes hanches et tes fessiers. Par exemple, les produits laitiers et crémés, le blanc d'œuf, le poulet, les légumes, les fruits secs, les bananes, l'avocat et les pâtes au blé complet. Je vous dis à très bientôt. Souviens-toi, ensemble, nous aurons de meilleurs résultats. Si tu veux continuer l'entraînement, clique sur la fenêtre qui t'intéresse. On se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.